tapis. Personne. Tu tapes sur ton téléphone et tu parles à personne. L'ado. C'est qui Eden? Hey, arrête, c'est privé! Vous avez prévu de vous voir demain, c'est ça? C'est privé! C'est qui Eden? C'est personne! C'est ton amoureux? Non! Bah tu souris! Non, je souris pas! Pourquoi tu caches? Mais je cache pas! T'es comme ça avec ton téléphone! Non, j'écris, c'est tout! Montre alors! Non, ça vous regarde pas! On peut savoir à qui tu parles! Non, vous êtes gênant! Vous êtes gênant! Ah ouais, c'est encore pire que ce que je croyais! Oh, l'ado! L'ado! Bah puisque tu veux pas nous dire, range ton téléphone, pas de téléphone à table. Mais t'as rien dit depuis le début. Tu veux pas dire, range ton téléphone immédiatement avant que je le confisque. Pas logique. Oh, un vocal. J'ai oublié mes écouteurs, écris s'il te plaît. Flemme. T'es belle, ma Zaza. Vous voulez pas mettre un peu de musique? Non, ton père a besoin de se concentrer. T'as tes écouteurs? Non. Alors en fait, pour t'expliquer, il y a Lucas qui me dit « Ouais, je te trouve grave belle et tout, j'ai trop envie d'un date, machin, machin. » Je lui dis « Ok. » Et genre, il m'emmène dans un endroit hyper classé. On s'assoit, on se regarde, tu vois. Et là, il me dit « Ouais, ce soir, je te fais la totale. » Je lui dis « Bah ouais, moi aussi, je te fais la totale, tu vois. » Arrête de me regarder, toi, un peu, tu vois. C'est donc, bien silencieux, dis donc. Normal, j'essaye d'entendre le message parlé qu'a reçu ta fille. Un message parlé? Mes parents, ils dorment, on vient en cachette, tu vois. Donc, il vient. Arrêtez de me regarder, c'est juste un vocal. Tu cherches un signal satellite ou quoi? Cuisine, vous êtes des malades. On s'est embrassés et on a fait toutes les cochonneries que tu peux même pas imaginer. Anna? Je suis aux toilettes. Bah tu me rejoins après, on doit discuter de quelque chose d'important. Groupe des 3e G. C'est quoi ça? Un vocal? Moi, Karim, 19 ans, il se met à boire de l'huile en guise de drogue. Eh, vas-y, ferme ta gueule. Ah, moi, je vais pécho Anna en guise de petite bisette. Ferme ta gueule, bouffou. Ah, vas-y, mais t'es vraiment mère. Maman, c'est privé. Tu peux me dire ce que c'est que ça? C'est pour rigoler, c'est le groupe Snap de la classe. Le groupe de la classe? Oui, c'est quand, par exemple, on a oublié d'écrire les devoirs, un groupe d'entraide, quoi. T'appelles ça de l'entraide, toi? T'as vu les conversations et les appels envoyés? C'est les vocaux, mais ça, c'est pour rigoler. Fini les réseaux sociaux, je t'imaginais pas comme ça! Quoi? Tu changes de collège! Non, mais tu délires! Maman, on peut ramener Lucie, elle a loupé son bus. Eh, je suis pas un taxi, moi! Maman, s'il te plaît, on va pas la laisser seule. Bonjour! Bonjour. Bon, bah, en voiture! Merci, t'es trop cool! Merci d'être une bonne poire, surtout. Je vais finir par demander un remboursement des frais kilométriques aux parents, moi. Et donc, du coup, je te ramène où, Lucie? Lucie? Elle habite dans la rue du Chêne. Ah, et elle n'a pas une langue pour parler? Elle est concentrée, là. Concentrée sur Instagram et Facebook? Et moi, je te dis, j'ai peur de ce que vous allez devenir. Avec vos téléphones dans le cerveau, là. Maman. Et t'es dans quelle classe, Lucie? Lucie? Il y a ma mère qui te pose une question. Quoi? Bah dis donc, on a presque peur de la déranger, là. Pardon, excusez-moi, vous disiez? T'es dans quelle classe? Dans la classe d'Anna. Et tu vas où l'année prochaine? Bah dis donc, c'est sympa les trajets en voiture. Elle peut pas lâcher son téléphone. Ouais, il m'a dit viens chez moi cet après, mais moi j'ai dit c'est mort parce que j'ai déjà des bails avec Jordan, tu vois. Hein? Qu'est-ce qu'elle me dit? Non, maman, elle fait un vocal. Vocal? Mais à qui elle parle? À son téléphone. Ah ouais, on parle au téléphone maintenant. J'imagine que le téléphone y comprend. Donc vous écrivez le bilan dans votre... cahier. Robin, donne-moi ton téléphone. J'ai pas mon téléphone. Qu'est-ce que tu faisais là? Je sais pas, je regarde mes genoux. Parce qu'ils ont quoi tes genoux? Ils sont beaux. C'est quoi que t'as dans la main là? Rien. Prends-moi pas pour une idiote, c'est quoi que t'as dans la main? Bah rien. Ok, ouvre tes mains. L'autre? L'autre? Quel autre? T'as bien deux mains, non? Je vois pas de quoi vous parlez. Donne. Vous savez, le téléphone est un outil pédagogique pertinent. Tu connais ce mot, toi? Tiens, la principale est dans son bureau, tu peux lui donner. Non, je vais pas lui donner. Ouais, bah pourquoi? Ah, c'est moi qui l'ai gagné. Hein. Mais tu vas lui rendre, hein? Non, touche pas. Je regarde juste comment il est. Donne-le à la principale. Comment le déverrouiller? T'as pas le droit, hein? Vas-y, essaie. Mot de passe. 0000. Il est pas si bête. Mince, c'est pas ça. Repose ce téléphone. Oh, on voit son fond d'écran, mais attends, c'est qui sur la photo? C'est sa vie privée, on ne s'en mêle pas, t'as pas le droit. On a le droit d'utiliser son téléphone en classe, peut-être. Non. Mais attends, c'est pas ta fille sur la photo? J'espère pas, il est en train de l'étouffer avec sa langue, là. Mais non, elle s'intéresse pas aux garçons. Fin, balivernes, elle est en 3e, tu crois quoi? Qu'elle regarde encore Babar? Mais si, je te jure, c'est elle. Non, mais je connais ma fille, un gars comme Marco, c'est pas du tout son style. Regarde. Quelle chance, t'es le beau-père de Marco. Alors, on commence par la philo, qu'est-ce que l'inconscient de Freud? L'inconscient, c'est de pas répondre, attends deux secondes. Laura, on a dit qu'on regardait pas nos téléphones. Ouais, mais si c'est important...
Non mais sérieux, faut qu'on révise, le bac c'est la semaine prochaine. C'est bon, j'y touche plus, on peut reprendre. Bon, j'en étais où? Ah oui, qu'est-ce que l'inconscient de Freud? Ah, il l'a publié sur Insta. C'est bon, je le pose, j'arrête. Qu'est-ce que l'inconscient de Freud? T'es pas concentré là? Non, il faut que je regarde et après je serai concentré. Putain, mais t'es terrible avec ton téléphone, toi. Attends, 2 secondes. Ça révise fort le bac avec Nono. On fait un petit selfie pour montrer qu'on révise? Non, mais on révise pas là. Si, on va réviser là. Attends, j'ai publié sur Insta. Bon, on révise ou je me casse parce que moi je le veux mon bac. Mais moi aussi, hein. Bah, on dirait pas. Vas-y, on fait une pause. J'ai infiltré le groupe Snapzat des élèves. Quelle classe, comment t'as fait? Les 4e A, un jeu d'enfant. Faut pas rentrer dans leur petit jeu, mais. Mais ils t'ont pas reconnu? Cricrining Star, je me suis fait passer pour une nouvelle élève. Et c'est vraiment comme on le décrit en salle des profs? Pire que ça, y a des gros cas, hein. Raconte. Bon, déjà, ils ne fonctionnent qu'en message vocal, ils n'écrivent jamais. Quand on voit le niveau scolaire, on comprend pourquoi. Que du vocal? Uniquement des vocaux. Il faut voir ce qu'ils se disent, hein. Genre. Écoutez, Jessie. Parlez pas à toi, vas-y, ferme ta gueule. 150 dans le groupe, on sait même pas à qui il parle. Olga, faut voir la frappe que c'est. Je vais te démarrer. C'est une guerrière, elle en a fait de la lutte, elle les a tous démontrés. Raphaël. Ah, vous saoulez, laissez-moi dormir, bande de chacun. Oui, parce que la conversation ne s'arrête jamais. Je veux infiltrer. Marine, celle qui m'a le plus surprise d'ailleurs. Y'a personne qui me répond dans ce putain de groupe de merde. Oui, parce que les devoirs, ils vont pas les vérifier sur Pronote, hein, ça n'existe pas. Ah, bah d'accord. Et ça parle sur nous, hein. Moi, je suis une poufiasse, toi, t'es un connard. Quoi? Y'a pas plus sympa que moi? Bah non, puisque tu leur as donné un devoir maison, donc tu es un connard. J'aurais pas aimé, j'avoue. Toi, t'es un chien de la case, donc. Ça veut dire quoi, ça? T'es un chien, quoi. Ouf, ouf. Et vos devoirs, ne rêvez pas, ils ne les font pas, ils trichent tous, hein. Ils demandent les réponses aux délégués ou aux meilleurs élèves de la classe. Je cherche la fille qui était dans le couloir B à 10h30 devant la salle 106. Je crush sur elle, je la trouve grave belle. Brune, cheveux longs, bottes noires, manteau noir. Brune, cheveux longs, bottes noires, manteau noir. C'était moi. Qu'est-ce que tu fais? On était bien dans le couloir B à 10h30. Chut. Je crois pas, on est passé dans le couloir A. Mais non, on est passé dans le couloir B, j'y ai croisé l'homme de ma vie. C'est quoi ton délire là? Je suis sur Crush 33 Montagne, y'a un mec trop beau qui me recherche. C'est pas vrai, t'es encore sur ce truc? T'as plein de meufs à répondre. Ouais, c'était moi dans le couloir, sale carse. Bah c'est possible, tu sais combien de filles passent dans le couloir B? Non mais c'est moi qui le cherche. Comment tu peux en être sûre? Brune, cheveux longs, manteau noir, botte noire, s'il te plaît. T'es pas brune en fait. Je suis bronde. Non, t'es châtain. Bronde et j'ai tous les autres critères. Oui, mais tellement de filles ont ces critères, je te dis qu'ils me cherchent. Mais t'as combien de meufs qui ont des bottes au lycée? Dès que ça sonne là, on va dans le couloir B, je vais te prouver que c'est moi qui cherche. Et si c'est pas toi? Salle 106, salle 106. Attends-moi! Salle 106. Je t'ai vu tout à l'heure, t'étais trop belle. Merci. C'est une autre meuf? Tu veux savoir pourquoi il y a beaucoup d'absents chez les 3C? Bah, ils sont malades. C'est ce que tu crois. Toi, tu le sais? Oui. Sorcière. Sur Amstramgram, les histoires durent 24 heures. Des stories. Et dans ces histoires, on peut voir ce qu'ils font. C'est vraiment une fouine. Ils font des choses, vous n'avez même pas idée. Mais ils rentrent pas chez eux après les cours et se couchent pas à 21h? T'es vraiment trop naïf. Toi, on est plus dans les années 50. Hein. Moi, j'ai vu ce qu'ils ont fait. Oh, mais comment t'as trouvé leur compte? Parce que tu crois que c'est dur, Julien le BG, le glandeur du 36. C'est pas eux, tu crois? Ils t'ont pas reconnu? Non. J'ai mis une hyène en photo de profil. Mais t'as vu quoi? Ils ont fait une grosse soirée jusqu'à 4h du matin. Une soirée un lundi soir? Oui, c'est pour ça que ce matin ils sont pas là. Mais non. Regardez l'histoire. Montre. Musique à fond, insulte sur insulte, fumée. Ils faisaient sûrement un barbecue. Un barbecue, oui, certainement. Ça veut dire que s'ils mettent en motif malade, on saura que c'est faux. Tenez. Pourquoi t'étais absent hier? J'étais malade. Tiens donc.